سكنت افقع غنفش ما سنسن قلدت او قيي قلدت او زلالسان شفط اسباس انده سيكفت سيساه قلدنا حسين شفط قلدت او فشان قلدت او سنه شنط او فيني او شنط أفلي وثن دي قذرة يفسي بطردون الذور دي تقدر في زغورة في سليتة سارك في الدور Entre ces deux passages en Tamazight, l'un de Douga, en Tunisie, et l'autre de Kabylie, 20 siècles ont passé. À l'honneur, la mémoire des civilisations mortes, elle préserve le souvenir des actes, glorieux ou vils, que les femmes et les hommes ont accomplis. Elle tient en faveur les réflexions les plus profondes et les plus complexes. Elle unit l'imagination aux inventions les plus fantasques, comme à la froideur de la raison rationnelle, à l'égal de la maîtrise du feu. Celle de l'écriture a bouleversé l'humanité et son histoire. Elle l'a projetée dans des sphères qui assurément la singularisent parmi les êtres vivants. Il est aujourd'hui établi que s'ils ne sont pas les inventeurs de l'alphabet, les Imazighen possèdent néanmoins un système d'écriture fort ancien. Son origine remonte à une période antérieure au 7e siècle avant l'ère chrétienne. Désormais, plusieurs chercheurs pensent qu'il faut repousser jusqu'au 10e siècle avant Jésus-Christ les prémices de cette écriture. C'est la découverte d'une série de stèles à partir du 17e siècle qui va lancer l'étude des anciennes tefinards ou du Libye et la tentative de leur déchiffrement. Chargé de mission pour le compte de l'exsoi collectionneur et savant Nicolas-Claude Fabry de Pérez, Thomas d'Arcos, voyageur, explorateur, sera le premier à exhumer la mémoire écrite des Imazighen. En 1631, Thomas d'Arcos se rend sur le site de Douga, au nord de la Tunisie. La ville se trouve à une soixantaine de kilomètres de l'influente Carthage. En explorant les lieux, Thomas d'Arcos met au jour une stèle bilingue. Il écrit ceci à Nicolas-Claude Fabry de Pérez. J'ai été ces jours passés voir mon patron qui est à une sienne métairia, loin de deux journées de Tunis vers le Ponant, appelé Douga où, et par chemin, j'ai vu et recueilli certaines antiquités que je vous envoie en ma mémoire, que vous trouverez dans le livre que je vous ai dédié. Il ajoute ceci. On en voit encore quelques pierres rompues, dont la part méridionale se retrouve engravée S-lettre, que j'estime être punique, aux carthaginoises ou bien syriaques, et se lisent au revers comme l'hébreu, l'arabique et le chaldéen. Un savant maronite, Abraham Echelen émettra des doutes sur l'hypothèse de Thomas d'Arcos. Il faut attendre le 19e siècle et la conquête de l'Afrique du Nord par la France pour que l'écriture de cette stèle et d'autres soit identifiée. Entre-temps, le consul anglais Thomas Weir commet un acte de vandalisme volontaire ou non. En arrachant la stèle découverte par Thomas d'Arcos, il endommage, comme par hasard, la partie libyque de l'inscription. La stèle sera déposée au British Museum de Londres. À partir de 1843,
L'archéologue de Saucy parvient à identifier les deux écritures inscrites sur la stèle, comme punique et libyque. Dans le journal asiatique de février 1843, il fait une synthèse de ses recherches. Comprenant que la partie punique se compose principalement d'une suite de mots, il présume qu'il en sera de même sur la partie libyque, si elle en est la traduction, et que la transcription révélera des anthroponymes équivalents dans les deux langues. C'est ce procédé qui lui permettra de trouver la valeur à attribuer à la presque totalité de l'alphabet amazigh qu'il appelle numidique. Divers chercheurs, parmi lesquels l'officier de l'armée fédère, le médecin Ribaud, Joseph Halévy, firent connaître de nouvelles pièces, surtout firent avancer la connaissance du libyque. Une seconde stèle, bien plus importante, est découverte sur le même site de Douga, en 1904. Elle compte 5 lignes en punique, suivies de 7 lignes en libyque, auxquelles s'ajoute une dernière ligne en punique. Grâce à cette nouvelle inscription bilingue, l'abbé Chabot parvient à trouver la valeur de tout l'alphabet utilisé. Ce dernier fera progresser de manière déterminante la connaissance de l'ancien tamazir lorsqu'en 1940, il publie son livre « Recueil des inscriptions libyques ». Il y inventorie plus de 1200 pièces. C'est aussi grâce à ces travaux que nous pouvons considérer, avec plus de précision que jamais, la stèle de Douga, celle découverte en 1904. C'est de cette pièce que provient la citation de 138 avant Jésus-Christ, par laquelle nous avons ouvert notre film dans la première émission. Sakan Tavegal Vanifesh Masinsen Gilidut. Aougiyi Gilidut. Aougzelensan Shafot. Ce bassender sikfetsiser gilid makusan shafot gilidit aufashan gilidit mausinna shanak aouveni aouchanak. À la vérité, la stèle de Douga est un cas exceptionnel comparé aux autres. C'est la seule stèle parmi les milliers d'inscriptions recensées à travers laquelle une ville rend hommage à un souverain aussi important que Massination. Certes, la culture punique a exercé une séduction considérable sur les Imazirones de l'Antiquité. Mais les commanditaires de la stèle, par l'usage du libyque, y adjoignent un élément strictement autochtone, amazigh. Ce qui donne à penser qu'il s'agit bien ici d'une affirmation identitaire sans ambiguïté.